je lance cet appel-là à l'endroit de nos députés pour qu'ils puissent nous doter, pour qu'ils puissent doter ce grand pays de la loi sur la culture. Il n'y a pas beaucoup de structures d'encadrement des jeunes comme c'était dans le temps. Alors, moi, à travers cette structure, nous encadrons la jeunesse avec l'IGF, avec la CENI. Et là, je suis en train de préparer une série des sketchs pour la sensibilisation, pour le compte de la DGRAT et de la police nationale. On doit sensibiliser les gens. Bon, j'espère que vous êtes congolaise et vous vivez ici, vous connaissez les réalités de nos artistes. Eh bien, il n'est un secret pour personne que l'art en général ne nourrit pas son homme. Donc, on continue. En dehors de la télévision, nous avons d'autres projets que nous développons. Je crois, récemment, on venait d'animer un atelier de formation sur l'utilisation du théâtre pour le développement dans les milieux ruraux. Pendant que j'étais à l'INA, pendant que je suis allé en stage pour le compte de l'INA, j'ai créé avec les amis l'émission Le Journal des Rigolos. Après Le Journal des Rigolos, j'ai créé la série Satire quand mon contrat était fini avec Le Journal des Rigolos, avec Antenna. Et voilà. Alors, et puis après, j'ai créé le groupe Simba avec le président Elombe, dont j'étais vice-président et chargé des finances. Et après, en 2000, j'avais décidé de créer ma propre structure, Africa Création. Parfois, c'est question d'organisation aussi. C'est tout à fait normal parce que déjà, il n'y a pas un service social, pour les artistes. Déjà, le statut de l'artiste n'est pas connu, la politique culturelle n'est pas définie, et voilà, c'est leur trouve dans un piteux état. C'est honteux pour un grand pays comme ça qui va abriter les jeux de la francophonie. C'est une honte pour nous les artistes qui avons l'occasion de voyager, d'aller presser dans d'autres pays. C'est une honte. Dites-nous un peu, pourquoi est-ce que la plupart d'acteurs ou artistes comédiens RDC, dont de la RDC, lancent des SOS quand ils sont confrontés à certains cas sociaux? Donc, tous abonnés, bisous toujours, chez mon compte officiel. Vous avez information, nous sommes partis sur le monde de Lingaka. Karim Mokondi, la baronne, Nayeli Soussou, Tokobunda Nanzotote. Culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon YouTube chez Mokondi officiel. Chers abonnés de Chemokonzi officiel, bonjour. Nazato jona isengo sona temi bosona bino bino boyatu. Bomesana ko landanga bomesano nde tolobaka na lingala nazaka na isengo pe na sei na motema ko yeba ke en tout cas ba abonné na nga ya Chemokonzi pardon ba abonné ya Chemokonzi officiel boni bisa ba abonné ya Chemokonzi officiel chaque fois que ba zoka ba notification ba landaka ngai et ba landaka ba vidéo nyo surtout o ezaka mise en ligne na Chemokonzi officiel. Lelo na koyambe la bino artiste moko munene artiste ya mboka oyo artiste comédien na kombo ya Bodo Boka Bela azesu ya présenté te mingi ba ebiye azali président ya groupe théâtral ya Africa awana kati ya ingumba ya Kinshasa bokomona ye bokoye ba ce qu'il est devenu, quel est devenu son groupe tokolobela pe oyo na oyo ndenge ba s'organisaka entre bango ba artiste comédien ndenge nini ba s'organisaka po na ko kendisa musala yango liboso nazali ko remercier hein ne balobi à tout seigneur tout honneur Karine Mokonzi la baronne oazali boss lady ya chez Mokonzi officiel Karine Mokonzi la baronne motema ya papa Evi Kikuli na pesie bambote belé pe na ba remerciement na ye parce que
azali kopé sabiso toujours occasion na opportunité ya côté les mains liboso na bino bolandanga tukende kokutana na artiste na biso. Bonjour Bodo. Bonjour. Vous n'êtes plus à présenter. Vous êtes président de la troupe théâtrale Africa Création, Rock Bokabela Mouibeke, de votre nom de scène Bodo. Est-ce que vous pouvez... Comment vous allez d'abord, avant que j'entre dans le vif du sujet? Ben, je vais très bien, hein, tel que tu le vois. Ouais, même si je suis un peu stressé ce dernier temps, parce que je suis en pleine mi-session. Pour votre information, j'ai repris avec l'université, donc je fais les droits à l'université panafricaine du Congo et donc voilà, je suis en pleine mi-session, mais ça va. D'accord, vous êtes en pleine mi-session, donc vous faites l'université? Oui, je fais l'université, je suis à l'université panafricaine du Congo, en L2 droit. Ah d'accord, félicitations, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Oui, mais c'est une bonne chose de continuer, de poursuivre ses études. Ah oui, parce que moi, je me dis toujours que celui qui cesse d'apprendre cesse de progresser et il tombe dans la routine. Alors moi, j'ai horreur de la routine. C'est pourquoi, au-delà de mon expertise en art dramatique que j'ai pu obtenir à l'INA, et j'ai préféré rajouter une autre discipline, une autre connaissance scientifique et... Voilà, tant que Dieu me prête vie, je ne cesserai d'apprendre. Après le droit, peut-être je ferai l'anthropologie et après je ferai autre chose. Voilà. Donc si je comprends bien, vous voulez vous consacrer aux études? Non, je ne vais pas seulement me consacrer aux études. Non, je n'ai plus l'âge où je ne peux me consacrer qu'aux études. Non, je fais ce que je fais, je suis dans la vie active, dans la vie professionnelle, mais n'empêche que je puisse renforcer mes connaissances dans d'autres disciplines, parce qu'un artiste doit avoir une connaissance universelle la plus large possible pour qu'il soit en mesure de rendre service à la communauté. Voilà. D'accord, merci. Bodo Bokabela Mouibeke, de votre nom de scène Bodo, comme je venais de le dire tout à l'heure. Dites-nous un peu, est-ce que vous pouvez revenir en arrière, un tout petit peu en arrière, nous faire un briefing sur votre parcours et votre carrière? Voilà, j'ai commencé à l'école. Je suis entré en contact avec l'art à l'école quand j'étais aux humanités. Et là, il y avait notre prof de français avait l'habitude d'organiser des spectacles de théâtre, de monter des spectacles de théâtre à l'école, à l'ITC Camo, à Matete. Et voilà, bon, il m'avait sélectionné sans mon consentement. Mais bon, comme c'était un professeur de français, je ne pouvais pas refuser non plus. Et bien que je ne m'imaginais pas, en tout cas moi je ne me voyais pas un comédien, je ne me voyais pas un acteur. Parce qu'il faut dire que je suis né très timide. J'étais très timide. Mais bon, j'avais accepté quand même de faire le théâtre à l'école. Et heureusement, aujourd'hui, je m'estime très heureux parce que le théâtre, non seulement m'a ouvert des horizons, mais aussi le théâtre m'a guéri de ma timidité. Et le théâtre, je dirais, a amélioré mon élocution aussi. Voilà. Donc, c'était à l'école. Après l'école, je suis allé dans une troupe de la cité. C'était d'abord Chicagapé Théâtre. C'est un ami qui m'y avait amené. Lui, c'est Hubert Maëla, parce qu'on était avec lui à l'école, au théâtre, dans la troupe scolaire. Et comme lui travaillait déjà avec cette troupe-là professionnelle à la cité,
qui s'appelle Chicagapé Théâtre, qui est dirigé par M. Charlie Nzeza Koko. Alors cet ami-là, c'est Hubert Maïla. Il est parmi les grands conteurs que nous avons en Afrique. Il est basé maintenant en France, à Amiens. Alors c'est lui qui va m'amener là-bas. Et là, dans le Chicagapé Théâtre, je vais faire connaissance avec Bonbon Fifi. Et voilà, je vais commencer à prester là-bas, aux côtés des Maman Pélagie, qui est aujourd'hui en France. Maman Pélagie, Bossis, Alpha Kelenda, Bijou. Et voilà, Bijou va venir après. Et voilà, bon, bref, c'était ces amis-là. Et pendant ce moment-là, j'avais vraiment envie de me professionnaliser dans le théâtre. Et après, quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, l'équivalent de bac, sous d'autres cieux, je suis allé à l'Unikin pour faire le droit. Mais bon, malheureusement, le nom ne sortait pas. Et finalement, on m'a orienté à la faculté des lettres, où j'ai fait la philosophie. Malheureusement, il y a eu fermeture des universités. Et j'ai rectifié le tir. Je suis allé à l'INA, où j'ai fait l'art dramatique. Et voilà. Alors, après, le Chicagapé Théâtre, il y a Bonbon Fifi qui m'a amené dans sa troupe à Fadra Théâtre, où je vais rester responsable numéro 1 quand il va s'envoler pour les États-Unis avec sa femme, qui était notre actrice aussi, Mireille Makalebo, que je salue. Je crois qu'ils sont en train de nous suivre en direct des États-Unis, Caroline du Nord, Bonbon Fifi, et sa femme Mireille Makalebo, que je vais rencontrer dans pas longtemps, parce que je vais animer le mariage de leur fille aînée, Tendresse Messa. Ça sera au mois de septembre. C'est moi qui ferai le MC. Et voilà. Donc, alors après, à Fadra, je vais faire un petit tour au Théâtre National, où j'avais réussi au test, à l'audition. J'étais retenu pour le stage professionnel. Malheureusement, je ne suis pas engagé. Et c'est après ça que je suis allé à l'INA. Voilà. Et après l'INA, pendant que j'étais à l'INA, pendant que je suis allé en stage pour le compte de l'INA, j'ai créé avec les amis l'émission Le Journal des Rigolos. Après Le Journal des Rigolos, j'ai créé la série Satire. Quand mon contrat était fini avec Le Journal des Rigolos, avec Antenna. Et voilà. Alors, et puis après, j'ai créé le groupe Simba avec le président Elombe, dont j'étais vice-président et chargé des finances. Et après, en 2000, j'avais décidé de créer ma propre structure, Africar Création, que je continue de piloter jusqu'à présent comme président et directeur artistique. Et voilà, mais parallèlement à ça, j'étais également dans une structure qui avait comme spécialité de sortir des films sur DVD et les commercialiser en Europe pour la diaspora. Cette structure s'appelait Kilimanjaro d'abord, et après c'était Super Kilima, qui continue jusqu'à présent, parce qu'on est en train de voir comment renouer sur scène avec Super Kilima. Et là, c'était sous le label de mon ami Hermen Kaba, le responsable de la maison Matongue Music. Voilà, c'est un peu trop long mon parcours, mais bon, ça c'est vraiment en résumé. Oui. Merci pour ce fameux résumé sur votre parcours. Dites-nous un peu, Bodo, Rock Bukabe Lamikwebe. Mouibeke. Je te dis. Attention. Vraiment. C'est un nom congolais. C'est un nom congolais, c'est pas un nom béninois. Parce que quand tu dis Mikwebe, ça fait béninois, ça fait nigérian. Voilà. C'est Mouibeke. Mouibeke. Voilà. Mouibeke. 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 Voilà. J'ai bien épelé. Oh, cette fois-ci, oui. D'accord. Dites-nous un peu, Rock Bukabila, Bodo, de votre nom de scène. Quels sont les objectifs que vous poursuivez, ouais, par l'art dramatique? Et puis, dites-nous un peu comment cela ça fonctionne.
Dites-nous aussi comment cela ça fonctionne. Vous faites des textes ou vous improvisez? Mais nous voulons d'abord savoir quels sont les objectifs que vous poursuivez dans cet art. Bon, nos objectifs, c'est faire la promotion de la culture congolaise en particulier et de la culture africaine en général, à travers les créations, l'échange culturel et la promotion, justement. Et donc on fait la promotion de la culture africaine en général et en particulier le théâtre et le cinéma. Alors comment ça se passe? Africar Création, c'est une structure multidisciplinaire. Nous faisons du théâtre et du cinéma. Alors, le théâtre, c'est ce que nous faisons sur scène. Et là, nous procédons de deux manières. Il y a des spectacles que l'on monte qui résultent d'un texte écrit des auteurs, des dramaturges, mais également par rapport à la formation qu'on a reçue à l'INA, on est en mesure de monter des spectacles sur base d'improvisation. On prend juste un thème et nous le développons et on rajoute un peu de montage poétique avec des textes que nous collectons par-ci par-là. On met un peu de musique, un peu d'expression corporelle et voilà. Donc ce sont les deux procédés que nous exploitons. Et alors pour le cinéma, l'aspect cinéma, notamment les séries télévisées populaires que nous faisons, c'est en français, c'est un mélange français lingala, un frangala si on peut le dire ainsi. Alors là également, pour ce genre, ce que nous proposons, c'est le fruit de l'observation de notre société. Et après l'observation, nous mettons à écrire. Et voilà. Mais avant d'écrire, on fait parfois le choix des thèmes. Et nous demandons aux artistes de proposer. Et dès qu'on retient un thème, on l'enrichit et on le confie entre les mains d'une commission que nous avons, une commission de rédaction qui est chapeautée par M. Peggy Bassambombo. Et c'est cette commission-là qui élabore les scénarios, les scripts, et afin, dès que c'est validé par moi, parce que c'est moi le directeur artistique, avant de tout faire, je dois valider. Alors, ce n'est qu'après validation que l'on peut passer à la production, post-production et diffusion à la fin. D'accord, merci. Et c'est quoi votre mission? Qu'est-ce que vous poursuivez comme mission? Ben, ce que nous poursuivons, c'est... Il y a entre autres le changement des mentalités, mais aussi l'encadrement de la jeunesse. Hein, parce que par le temps qui court, il n'y a pas beaucoup de structures d'encadrement des jeunes comme c'était dans le temps. Alors, moi, à travers cette structure, nous encadrons la jeunesse en les formant d'abord, en les initiant dans la chose culturelle. Et nous permettons leur épanouissement. Voilà. Et on a aussi cette mission de sensibilisation. Parce que, comme j'avais dit, un artiste doit être utile à sa communauté, doit être utile à sa nation. Et donc, de par ce créneau-là, nous faisons la sensibilisation. Je crois que c'est ce que les gens le voient souvent, ce que nous faisons souvent avec l'IGF, avec la CENI. Et là, je suis en train de préparer une série des sketchs pour la sensibilisation, pour le compte de la DGRAT et de la police nationale. On doit sensibiliser les gens pour qu'ils sachent que la police, c'est un service d'assiette et des recettes de l'État. Et donc, il faudrait que les gens comprennent que non, dès qu'ils font des infractions, eh bien, la police est habilitée à collecter des amendes qui doivent entrer dans la caisse de l'État. Et donc, quand la police vous demande les amendes, il ne faut pas payer aux policiers,
il faut payer auprès des agents de la DGRAD et cet agent-là va vous remettre un papier pour vous rassurer que non, c'est, l'argent-là, ce n'est pas entré dans la poche des individus, mais plutôt à la caisse de l'État pour que l'État puisse s'en servir pour arranger les routes, payer les salaires des fonctionnaires et susciter le développement de la nation. D'accord, merci. Dites-nous un peu, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance qui vous prédisposaient à devenir acteur? Ah oui, hein? Ah oui, il y en a plein, mais bon, moi je ne savais pas. Donnez quelques exemples. Bon, déjà quand j'étais enfant, je m'amusais à imiter les gens. Je m'amusais à imiter. Et aussi, je m'amusais à rassembler mes amis, mes frères, mes sœurs pour jouer au tourne-disque. J'interprétais des chansons pour amuser mon entourage. C'est ainsi qu'il y a ma mère qui l'avait déjà, qui le disait déjà, que non, cet enfant, il faudra vraiment l'isoler pour qu'il soit un avocat. Sinon, il sera un artiste et ça ne sera pas bien. Parce que ma maman ne me voyait pas artiste. Elle voulait que je sois un avocat, un magistrat et voilà. Donc j'avais des prédispositions comme ça. Et j'ai une question assez... mais bon, c'est comme si j'ouvrais une petite parenthèse. Mm-hmm. Dites-nous un peu, pourquoi est-ce que la plupart d'acteurs ou artistes comédiens RDC, dont de la RDC, lancent des SOS quand ils sont confrontés à certains cas sociaux? Vous ne vivez pas de votre art dramatique? Bon, j'espère que vous êtes congolaise et vous vivez ici, vous connaissez les réalités de nos artistes. Eh bien, il n'est un secret pour personne que l'art, en général, ne nourrit pas son homme. Voyez? Et donc, c'est tout à fait normal que, bon, quand un artiste qui, pourtant, a rendu de bons et loyaux services à la nation, quand il se trouve dans une situation comme ça, c'est tout à fait normal qu'il puisse demander service à l'État. Parfois, c'est question d'organisation aussi. C'est tout à fait normal parce que déjà, il n'y a pas un service social, pour les artistes. Déjà, le statut de l'artiste n'est pas connu. La politique culturelle n'est pas définie. Et voilà, c'est lorsque on aura défini tout ça, lorsque l'État aura défini doter le pays de la politique culturelle qui, par ricochet, va définir le statut de l'artiste. Je pense que cet état de choses pourra changer un peu. Déjà, il y a des bonnes volontés qui essayent, tant soit peu, d'aider les artistes, notamment Maman Denise Nyakeru avec sa fondation qui a octroyé les cartes d'assurance santé aux artistes comédiens. C'est déjà quelque chose, mais elle est une individu, mais c'est un service qui normalement est dévolu à l'État. Mais bon, on est en train de mener une lutte acharnée pour que l'État puisse comprendre que non, les artistes sont des ambassadeurs et que partant de ce statut-là, il doit les mettre dans les bonnes conditions possibles. Vous avez dit que vous menez une lutte, hein, une lutte acharnée. Dites-nous un peu à votre niveau. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait une réforme afin que les choses changent? Déjà, il y a une structure qu'on appelle Collectif des artistes et culturels, CAC en sigle, qui est pilotée par le coordonnateur Paul Ngoy-Leperc. Alors, c'est un cadre de réflexion qui regroupe tous les artistes de toutes disciplines confondues. Alors, on a commencé à organiser des forums, des culturels, pour réfléchir, justement. La dernière en date, c'était l'année passée. Alors, c'est là que nous collectons toutes les idées pour proposer aux décideurs. Je pense que c'est vraiment c'est dans ce cadre-là que nous menons ce lobbying. Alors, la toute dernière édition du forum, qu'on a intitulé désormais la Biennale de Kinshasa, qui était
placé sous le haut patronage du ministère de la Culture. Alors, toutes ces résolutions, on l'a proposé au ministère, il reste maintenant au ministère, avec nos amis qui sont députés, de pouvoir l'amener à l'Assemblée nationale, afin que ça soit coulé sous forme de loi sur la culture, et ça pourra améliorer tant soit peu les conditions des artistes. D'accord. Bodo, ouais. Rock Bokabela, voilà. Mouibeke. Attention. C'est Mouibeke, tu as bien prononcé. Voilà, Mouibeke, ouais. J'ai bien articulé. Ah, oui. Mouibeke, voilà. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui est devenu Africar et quelles sont vos réalisations à ce jour, en ce jour ou à ce jour? Africar Création se porte très bien. Ouais. On continue notre bon nombre de chemins. Et voilà, je crois actuellement, il y a un de nos films qui passe sur Maboké Télévision, qui est vraiment un portail de promotion et de diffusion des œuvres des artistes. Et voilà, en dehors de Maboké Télévision, nous diffusons. Nous continuons à diffuser sur Digital Congo tous les mercredis à 20h40 et tous les samedis à 8h. Donc, on continue. En dehors de la télévision, nous avons d'autres projets que nous développons. Je crois, récemment, on venait d'animer un atelier de formation sur l'utilisation du théâtre pour le développement dans les milieux ruraux. Parce que, comme vous savez, il y a notre chef de l'État qui a proposé un projet de développement à partir des 145 territoires de notre pays. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait l'accompagner avec la sensibilisation des paysans à rester au village, à travailler les champs, à travailler dans la pêche, dans l'élevage, pour booster le développement à partir de la base. Parce que qu'est-ce que nous vivons actuellement? Nos villages se déciment, nos villages se vident. Tout le monde veut venir à Kinshasa, alors qu'à Kinshasa, il n'y a rien. C'est pourquoi tu vas remarquer que dans des secteurs tels que Kingasani, Changu, il y a une sorte de surpopulation. Les gens qui trimballent les rues à ne rien faire, hein? Et alors que la plupart, c'est des gens qui sont venus du village, qui pensaient que venir à Kinshasa, c'est l'Eldorado, c'est le paradis. Ils se retrouvent ici à ne rien faire. Ils deviennent soit des koulounas, soit des voleurs, soit ils se livrent à la prostitution. Voyez, alors qu'il y a lieu de rester au village, de travailler les champs, d'élever les animaux, et voilà. Donc c'est le travail que nous venions de faire avec Africa, et c'était en collaboration avec Krasa, de Maître Mwambaye, qui est notre professeur d'art dramatique à l'INA, et il y a aussi d'autres projets que nous sommes en train de développer, et au moment opportun, on va le dévoiler au grand public. D'accord. Que feriez-vous s'il vous était demandé, à vous, Rock Bokabela, si vous étiez demandé une étude en vue de la réforme de l'art dramatique en RDC? Bon, je pense que la réforme réformée, je ne pense pas. Parce que l'art dramatique est là, l'art est là, les artistes sont là. Il manque seulement un encadrement politique, il manque seulement une impulsion politique. Vous pouvez beau avoir des artistes de talent, vous pouvez beau créer des spectacles de qualité, mais tant qu'il n'y a pas, quand il n'y a pas de circuit de diffusion, quand il n'y a pas quand il n'y a pas d'infrastructure, hein, quand il n'y a pas d'occasion, on n'a pas des festivals officiels de l'État, hein, on n'a pas de festival, il n'y a pas de rendez-vous où les artistes peuvent s'exprimer. Vous voyez? Ici à Kinshasa, combien de salles de spectacle nous avons? Il n'y a que la salle Mungita qui se trouve dans un état de délabrement. C'est l'image même de la culture de notre pays. Il y a des salles telles que la salle du Zoo qui aujourd'hui, qui se,
trouve dans un piteux état. C'est honteux pour un grand pays comme ça qui va abriter les jeux de la francophonie. C'est une honte pour nous les artistes qui avons l'occasion de voyager, d'aller presser dans d'autres pays. C'est une honte, vous voyez. Donc, il n'y a pas de réforme d'art dramatique qu'il faut faire. Il faut plutôt que le politique puisse faire son travail, parce que les artistes sont là. Le patrimoine est là. C'est le travail de l'État maintenant. Voilà. Ok. Merci de répondre à nos questions. Dites-nous un peu, nous allons faire un petit envol. Hein. Nous allons nous tourner du côté des réseaux sociaux. Voilà, dites-nous un peu, Rock Bocabella, Bodo, Mibweke. Ah, tu vois. C'est Mui. Mouibeke. Voilà, j'ai bien articulé. Mouibeke. Ouais. Dites-nous un peu, que pensez-vous du buzz sur les réseaux sociaux? Et puis, dites-nous, est-ce que vous êtes actif sur les réseaux sociaux? Malheureusement, je ne suis pas trop actif. Je ne suis pas trop actif. Bon, peut-être, je ne sais pas si je suis... Peut-être parce que je suis de la vieille école, hein, je ne sais pas. Le buzz, moi, je ne suis pas trop accro à ça. C'est un peu comme dans le milieu traditionnel des artistes, on parle du succès. Alors, le buzz, c'est des choses qui créent la sensation, c'est du sensationnel. Alors moi, je ne suis pas trop accro à ça parce que ça peut vous amener à faire du n'importe quoi, rien que pour se faire voir, pour se faire remarquer. Moi, en tant que professionnel, en tout cas, je ne suis pas de cette école-là. Et dans l'optique du changement de l'art dramatique en RDC, hein, dites-nous un peu, afin d'en faire un réel et puissant moteur de changement et de développement, quel est votre apport et celui d'Africa? Ben, notre apport, c'est de proposer des œuvres qui soient importantes et utiles à la communauté. C'est-à-dire, on ne va pas proposer des œuvres qui ne soient là que pour amuser la galerie. Vous comprenez? Et donc, maintenant, là, il faudra... la seconde étape, c'est que ces œuvres, il faudrait que ça soit rentable. Il faut que ça soit rentable. Bon, jusque-là, ceux qui avaient bénéficié du financement du fonds de promotion culturelle n'avaient jamais dit aux autres comment ça se passait, alors qu'il y a des œuvres qui traînent, qui pourrissent dans les tiroirs, que l'on peut obtenir du financement pour que ça soit produit et proposé au grand public. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, il faudra aussi faire un effort d'assainir le milieu. Parce que ne peut devenir comédien qui le veut, ne peut faire du théâtre, ne peut faire du cinéma qui le veut. Il faut qu'ils aient du talent et il faut qu'ils soient conscients de la mission qui leur sont dévolues pour hisser très haut l'étendard culturel de notre pays. Ça, c'est très important. Et après ce travail-là, il y a maintenant un travail d'encadrement de ces jeunes talentueux, les canaliser en vue de rentabiliser leur métier. La culture est un domaine, si c'est bien encadré, ça peut même renflouer les caisses de l'État. Parce que si jamais les artistes sont appelés à payer les taxes, et donc l'État doit subventionner, l'État doit financer. Et imaginez un peu combien d'artistes talentueux que nous avons qui produisent à longueur des journées. Donc c'est vraiment un moteur de développement pour le pays, non seulement un moteur de développement, mais c'est aussi une source de développement socio-économique. Vous comprenez? Voilà. Merci Bodo. Nous sommes en train d'atterrir. Hein, donc, je vous remercie d'abord d'avoir répondu à mon invitation. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir honoré. Mais dites-nous, c'est quoi votre mot de la fin, hein, pour clore cette émission? Ben, ouais. Le mot de la fin, c'est que je lance encore un appel à nos amis députés nationaux culturels. Avant que vous ne soyez élus, vous saviez notre souci, vous saviez notre mission. Et maintenant que vous êtes à l'hémicycle, ben, on vous voit très actif dans d'autres dossiers, sauf le dossier culturel.
Vraiment, il est grand temps parce que une fois votre mandat pour cette législature passée, on n'aura plus d'interlocuteur valable pour pouvoir proposer un projet de loi, un projet de loi sur la culture. Il est grand temps. Il est grand temps. Vraiment, je lance cet appel-là à l'endroit de nos députés pour qu'ils puissent nous doter, pour qu'ils puissent doter ce grand pays de la loi sur la culture, de la politique, de la politique culturelle qui va définir le statut de l'artiste. Voilà un peu le dernier message que je pourrais passer pour cette émission qui est vraiment professionnelle. Merci. Qui n'est pas simplement à la quête du buzz, mais c'est vraiment professionnel, c'est vraiment puisé. Et voilà, continue comme ça. Merci, vous n'avez pas de dédicace à faire? Il y a Karine Mokonzi-Labaroune qui vous suit aussi en même temps. Oh, Karine, ben là c'est ma petite soeur. Donc je te salue, Karine. Continue à faire ton boulot. Tu le fais si bien. Voilà, beaucoup de succès à toi. Et en plus, heureux mariage. Je suis très content. Elle a ton famille. Je suis très content de toi. Vraiment, bonne chance. Je présume que Akobo t'a ma passa. C'est vrai, hein, ça m'a passa d'ailleurs. Ah ben voilà, tu vas donner la vie prophète. Pour tout ça, besoin va bien, abisso banoko, et que ça l'a bien. En tout cas, je salue toute la famille, la grande famille des Mijuju. Ils sont aux États-Unis, Bonbon Fifi, Mireille Makalebo. En France, Hubert Maela, Marie-Claire Maela, Ntimba Munzambi, Benjamin. À Berlin, en Allemagne, Bijou. Et ceux de Kinshasa, je salue mes amis en Europe, en France, en Belgique. Je salue ma famille en Belgique. Micho Mola, Apoka Mola, Eno Mola, et tous les enfants Mola. Je salue toute ma famille aux États-Unis, au Canada, voilà, en tout cas partout où vous vous retrouvez. Je salue ma famille à Charleroi, en Belgique, ma fille Nadia Ilonga, et sa grande sœur Sona Tangete, à Osilikilangai, Sarah Ilonga, avec tous les enfants. Ben voilà, bon. Africa, je salue tous les artistes d'Africa et j'invite tous ceux qui veulent bien être encadrés artistiquement, des jeunes qui veulent être encadrés, ben, nous vous ouvrons les portes, venez, venez intégrer la troupe. Et là, vous allez bénéficier de l'encadrement tant culturel que artistique. Et voilà, donc je salue tout le monde, tous les fans d'Africa. Je salue tous les artistes d'Africa et je salue ma famille de Kinshasa, famille Bokabela, Blondin Bokabela, ma famille en Afrique du Sud, Babi Yando, toute la famille Yando en Afrique du Sud, à Lubumbashi au Canada, Patience, Patricia Yando au Canada, Charlie Yando à Kinshasa. Bonne guérison à toi et à ma fille Mehdi. Bonne guérison à toi et ma famille à Brazzaville, Nene Bokabela, Sami Bokabela à Kolwezi, Naomi Bokabela, Jebenis Bokabela à Kolwezi, la grande famille à Kisangani, en tout cas partout où vous vous retrouvez. Sans oublier, monsieur le procureur Alain Bolenge, mon frère, à Matadi, Madame la questeur Nzolani, Lauriane Nzolani à Matadi, elle est questeur à l'Assemblée provinciale du Congo central, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vouemba. Je vous salue en tout cas. Et mon ami Didier Bassambombo, chef des travaux à l'ISP Matadi. Sans oublier tous mes collègues de l'Université panafricaine du Congo, mes collègues étudiants, on les appelle les maîtres,
je vous salue tous, Maître Coco, Yoka, Maître Bill, Maître Massengou, Maître Ketia, Maître... ils sont nombreux, hein, Maître Daniel Kachoba, Maître Mola, Maître Koussedila. En tout cas, je vous salue tous, sans oublier le président du conseil d'administration, M. William Makiala, l'initiateur de l'université, le leader du système LMD, notre recteur, tous les enseignants de l'Université panafricaine du Congo, prof Kangulumba, prof Namuli, prof Yungu, prof et tous les assistants, bienvenue, prof Yakusu, prof Hubert Moukoko, maître Hubert Moukoko, je vous salue, en tout cas je salue tous les enseignants. Merci beaucoup. Merci, merci à toi, Bodo, Bodo, Rock, Bokabela, Mui Beke. Voilà. J'ai bien articulé. Merci, c'est un honneur pour moi de le recevoir pour vos chers abonnés de chez mon conseil officiel sur mon plateau. Ezakika Nakadrin, Yonsepil Sabino, Boebika Kanon, il faut que tu aies un grand artiste, Yambo Kanabiso. Pour toi, tu as un ba nouvelle to ebaka soki ba komi ndenge nini bazan ndenge nini pe bazali ko évoluer ndenge nini na kati ya métier na bango musa na bango bazo sala ya art dramatique. En tout cas na remercier binonyo surtout obozaki kolanda bande bandeli ya émission oyo kino na suka. Merci parce que bo pesi biso misu na bino matoi na bino bo pesi biso de votre temps bo landi biso bozalaki wana bo bosana ko like vidéo te s'il vous plaît. Et je vais pour l'algorithme, il y a YouTube, et puis pour s'abonner, pour l'abonner, bien assez, il y a un écran. Donc, comment on a placé mon corps pour m'abonner? On clique, et si on a un abonné, on a cloche, on a un dessin, on a cloche, on a cliquez, on dessin, ya cloche, on a menu contextuel, on a un menu, on a un menu, on et Zosunga pour que chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne na chaîne Abisso ya chez mon compte officiel, okoka kozala notifié pour ne manquer aucune vidéo. Na remercier Bandeko Nyo, surtout Balandi, na remercier Karine Mokonzi, la baronne, Motema Papa Elviki Kouli, hein, la boss lady ya chez mon compte officiel, yenda permettre que tous aient espace oyo pour que tous telemaka tout le temps liboso na bino. Na remercier ba chef na biso ya chez mon compte officiel, o bazali kokamba la chaîne, hein, Francimi ya Tembo, on dirait du Canada, na peso bambo tebele, Francimi ya Tembo le coordonnateur, yenda zali na coordination ya chaîne na biso chez mon compte officiel, ba o bazo gérer le personnel. Na fiza mwana, na molinga mibalamu, na fiza balobi, bokonzi ekipa acheté. Na remercier le grand ingénieur Azana Sima Kamera, yaza toujours na pointe Beka Yemutu a pesibino ba image ya kitoko bomoni oyo bozali kotala biso eza Beka Mutu asungi biso ke biso na bino tokoka kotala na. Na remercier bandeko na nyon surtout hein ya la Chine ba chinois nyon surtout. Na remercier bino bino mutu bozala na bino toujours wana hein pour na kozela ka ba vidéo ya chez mokonzi pour na tala biso. Na remercier Bino, na remercier Batounion surtout, ya la Chine, na remercier Bino. Tony Guérin, hein, na pisalio ba koukou et belé ba gros bisou, ba big dédicace. Tony Guérin, na pisalio ba mbote belé depuis Londres, hein. Tony Guérin, mon pote, mon ami, un mastanara de tous les temps, de tous les jours. Na pisalio ba mbote belé, na pisalio ba mbote belé, na Raphaël Badiambilé, hein. Le grand banquier, le grand financier, Raphaël. Gloria Badiambile, na Pesio Bambo Tebele, na Pesio Bambo Tebele, na Xbox, hein, na ba gros bisou et belé Xbox Bisiko Koutani, hein, depuis Suisse, na Pesio Bambo Tebele, na Pesio Bambo Tebele, na Daniel Bangou, Souriamana, na Pesio Pe Bambo Tebele, na Pesio Bambo Tebele, na Karine Mbala, poupée noire, na Nga, na Londres, na Pesio Pe Bambo Tebele. Pour na soutien, yaba émission, vous contacter Nafisa Mwana hein batine les bisoliste hein ya ba oyo bazo soutenir émission ba oyo bazo sala que botala kabiso hein liste ezali maman Mariam merci nayo maman Mami Sola merci nayo maman Angelos merci nayo poupée noire na Londres merci nayo
Jordi et Sam depuis Brazzaville, merci Nayo. Maman Cécé Mokonzi, bah merci Nayo. Maman Patience, merci Nayo. Maman Florence, maman Souyamana, maman Karine Mbala, hein, bah merci Nabino. Soleil Levant, Barbarita Mukulu Keliane, Molinga Mimalamu, na Odette Muziki, sans oublier Papa King, hein, bah merci Nabino Nyonso. Bon soutien y a bah émission au Bozali ko salé la biso to remercier bino to salé bino très reconnaissant très reconnaissante chez mon cause officiel pe salé bino reconnaissant et nous moi y a si que salé na chez mon cause officiel hein bobo sanaté bo adhérer la chaîne s'il vous plaît bo kené na accueil bo mon placement ba komi adhérer OK au cliquer wana au ko souscrire na mon temps au ko arranger yo au ko convenir na yo. Souscription est bandit à partir de 3,99 euros, c'est-à-dire pratiquement 4 euros. Ceux qui ont au moins 4 euros, kakayo, soit au coqui copona, modia, adhésion au écosépelissaio. En dehors de ça, bah, pour boire et aller. Après émission, boyer. Ok, botala bien, nassé à bas écran. Place à like et aller. Place à dislike et aller. Place à partager et aller. Au commun, on a un moins cœur, moi, Ezawana. Voilà, c'est pour les remerciements. Eza pour boire, hein, tchela. Chaîne, la baronne, hein, au télé pour boire, parce que tout servi une émission, tu as payé pour boire, tout ce qui est dans le restaurant, tout ça, c'est au méli jus, au méli vin, au méli bière, au méli bière, au serveur, au méli servir, au méli salani, au tiens à moi pour boire. Après émission, au coquille, au tchela, la chaîne à biso pour boire, et cause à la carte d'une grande importance, hein, et au bossana, bino, tepe, tous aïko, remercier bino, déjà l'avance est davantage pour notre soutien au bosali, kosala, nabiso. Quant à moi, Juju, hein, je vous retrouve très, 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 très bientôt, kaka awa na kati ya chaîne à bino, chez mon compte officiel, hein, pour des nouveaux éléments. Bye bye! Tous abonnés du Soutouvre, chez mon compte officiel. Vous avez information, vous avez participé à tout le monde. Karim Mokonzi la baronne, Nayeli Soussou, Tokobunda Nanzotote. Big up fire, boom fire. Karim Mokonzi, c'est juste un big up. Karim Mokonzi la baronne. Culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon YouTube chez Mokonzi officiel.